précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Y a quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café, ça te réchaufferait. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé... Oh, Alan? Alan, va jeter un œil au fusible. Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Vous sentez, monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Eh bien, c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant.
Je ne peux pas me permettre d'être imprudente, adjointe Grant. Il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je repasserai plus tard pour vous le rappeler, au cas où. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Thornton. Bon, point faux, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu, les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illuminée du coin. Avant, elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses désormais. Elle serait très bien là d'où je viens. Comme vous voyez, elle veille sans arrêt au bon fonctionnement des ampoules de toute la ville. Elle refuse de marcher dans l'ombre, ce genre de choses. À l'époque, elle écrivait tout un tas de trucs bizarres dans le journal. Bright Falls a un passé haut en couleur. Mais c'est le cas de toutes les petites villes, pas vrai? Entrez, Monsieur Way. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr. Je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Adam, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé le Horse Peak, à minuit. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? Stupide mec, vous à l'œil. J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oh, il faut croire que non. Il a pris une cuite et il a mis une belle dérouillée à Danny. Il n'a pas arrêté de hurler depuis qu'il est réveillé. Pour sortir par derrière, passez la porte et prenez le couloir, Monsieur Wake. Et vous pouvez allumer la lumière? Les adjoints, ils comprennent... Ah, merci. Merci, mon pote. Vous êtes un petit bien. Vous comprenez? Alors, laissez personne vous dire le contraire. Je vais vous dire... Je devrais même pas être ici. Et les flics sont à côté de la plaque. Vous voyez? Bon, d'accord. Je lui ai mis une raclée. Mais j'étais pas bourré. Enfin, j'étais pas bourré à ce moment-là. C'est seulement après que je l'ai bu. Écoutez-moi bien attentivement. Et le truc, c'est que c'était pas d'accord. Alors, ça lui ressemblait, c'est tout. Vous voulez savoir qui c'était en vrai? C'était un putain d'extraterrestre. Je sais qu'on dirait une histoire d'ivrogne, mais vous pouvez me croire, j'étais pas sous à ce moment-là. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine.
L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints, Mulligan et Thornton, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du cerf. En voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris? Allez, patience, la fête n'a pas encore commencé. Le ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture, derrière le bureau du shérif. Quelque chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry ! Al ! Al, que sois-lui ! Mais t'étais où, bon sang ? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. C'était mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur regrettable petite escapade. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, bien entendu. Je vous assure que mon personnel a été réprimandé. Thor et Oda n'avaient jamais causé de tort à personne quand ils vivaient encore dans leur ferme. En effet, tout ce que l'on peut faire, c'est ralentir la progression de leur démence. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non ! Arrêtez ça ! Que personne ne bouge ! Ôtez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet.
Ça me plaît pas, Al. Ça me plaît pas du tout. C'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fan. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang! Écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais et enfin, toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, hey, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerais bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Bon sang, Al. Tu veux me faire croire qu'il a tiré sur un mec et qu'il a disparu? Oh, désintégré. Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaires avec une lampe torche. Avec ce genre d'histoire tirée par les cheveux, c'est la camisole de force qui t'attend. Attaché à ton propre lit et enfermé dans une chambre, au mur capitonné, bourré de pilules à longueur de journée. Al, d'habitude, tu te moques des gens qui croient à ce genre de conneries. C'est toi le sceptique. Le mois dernier, tu m'as fait un topo de plus d'une heure sur l'homéopathie. Comment on dit déjà? S'il n'y a pas de preuves, c'est que des conneries. Point final. Faut croire que j'avais tort. Ah, le bon sang! Bon, d'accord. Très bien. Quelque chose de bizarre t'est peut-être arrivé. Ok. Eh ben, merci du soutien en tout cas. Tout ce que je demande, c'est que tu m'aides à comprendre, monsieur best-seller. Et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je peux pas te laisser partir en pleine nuit avec un flingue. Personne t'a demandé de venir, Barry. Soit t'es avec moi sur ce coup, soit tu rentres direct à New York. C'est toi qui vois. Délire complètement, Al. Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al.
Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Ok, c'est parti. Je vais attendre ici, Al. Je vais garder le fort. Mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Al. Allez, je ferme maintenant. Barry avait les clés de la voiture qu'il avait louée. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout en forêt. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf ? Mon programme ? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Très bon. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que ça de toute façon. Oh, à qui le dites-vous ? La course en sac se fera sans nous, pas vrai? Exactement, Pat. Mais je vais assister à la parade, bien sûr. Et je ferai aussi partie du jury pour le concours de tarte. C'est vrai que cette activité demande un autre type d'effort. Ça oui, c'est pile dans mes cordes. Blague à part, Doc. Vous êtes plutôt en forme. Vous êtes un homme d'extérieur et je sais que vous aimez beaucoup la pêche. Et comment? D'ailleurs... J'ai pris une jolie perche à grande bouche pas plus tard que ce matin. Mais vous n'allez pas participer au concours de pêche ? Non, non, pas cette année. En fait, Pat, je n'ai plus vraiment l'esprit de compétition. Maintenant, je préfère prendre mon temps et en profiter. Et c'est pas drôle si je dois faire attention à ce que je pêche, vous comprenez ? Étant donné votre palmarès, les participants de cette année sont sûrement ravis d'entendre ça. Et c'est gentil à vous de dire ça, Pat. Ok. Temps du départ. Ah, mais j'ai... Thank you.
crime et châtiment. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir, l'homme dans le miroir. Il est là-dedans, monsieur. C'est un cinglé. Alors, vous avouez avoir tué cet homme, hein? Pourquoi? Il le méritait? Oui, mais pourquoi faire ça? Enfin, vous êtes un type bien, normal. Vous avez emmené votre fils au foot, et là, pendant le match, vous attrapez un type pour, je cite le rapport de l'agent qui vous a arrêté, porter des coups dans la tête de la victime à de multiples reprises, et ce, à main nue. Ah, pas se rejette, pas vrai? Vous n'êtes peut-être pas un littéraire. Bon, donc vous le frappez. Pourquoi? Qui était ce type? On n'a pas pu l'identifier. Pourquoi un gars comme vous ferait une chose pareille? Sa tête ne me revenait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vous y êtes pas les mains mortes. C'est dingue, on connaît même plus ce type. Et pas de pièce d'identité. Ça doit être difficile. Alors on a analysé ses empreintes. Et on a trouvé. Les vôtres. Les mêmes. Ah, et ben ça alors. Votre fils dit que vous portiez une chemise blanche en allant au match. C'est le mort qui porte la blanche. Elle est toute rouge maintenant. Vous vous en tirerez pas comme ça. Non mais vous croyez franchement que je me préoccupe de tout ça? J'ai eu le temps de parler avec mon fils avant que les flics débarquent, vous savez. Il n'arrête pas de hurler, pas vrai? Vous pensez qu'il va s'en remettre un jour? J'ai laissé mon empreinte. Vous pouvez plus croire. Oh, espèce de salaud! Quoi? Vous allez me tirer dessus? Ça servira à quoi? Je vais aller en prison. Vous m'avez chopé. Je comprends plus rien du tout. Et vous ne comprendrez jamais. C'est pas grave. On se reverra plus tard dans ce théâtre. Peut-être dans le miroir. M'avait quitté, et ce n'était pas dû à l'ambition. Aidez-moi. Il y a quelqu'un. Oh.
Eh oh! Je suis ici! Pitié! Monsieur Wick? Oh merde! Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire. Elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. Ouais, je sais pas si t'arriveras à trop. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Ça va vite. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Merci, Adama, pour ton like. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Rusty! Rusty! Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le parc. Respectez les consignes du garde forestier. Rusty, non. N'approche.
lâchez jamais ni les ours, ni les loups, à moins de 100 mètres. N'approchez aucun autre animal sauvage, à moins de 100 mètres. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans surveillance. Ici, tout va bien. Je vais parler trop vite. Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh, bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Lover's Peak se trouvait tout au bout du sentier de randonnée. Bonne l'indication. Très mauvaise idée à mon avis. Rester sur le revolver. Thank you.
On va rester dans la partie où il y a de la lumière. Faut des munitions. Assez de mule, non?
quand même. Ouais, c'est vraiment le genre de jeu, faut vraiment réfléchir à chaque munition. Et une. Super cool.
il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va! J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers Lover's Peak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, c'est pas le moment de passer. Escalier, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Ah, hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue! On n'a pas le temps de discuter, repoussez-les, bordel! Encore une seconde, repoussez-les! Ces salopards, ça les empêchera d'approcher. Encore un peu, j'y suis presque. Bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. Sentez mieux, Wake? Bien en sécurité? Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres femmes hein, ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake! Ça arrive.
quartier. Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme? Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. J'ai perdu une balle. Putain.
J'avais entendu l'avion tomber. Ça n'avait aucun sens. Il venait clairement de s'écraser ici. Et pourtant, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue, je pourrais être frisson. Ah!
branche morte. Dommage qu'il n'y ait pas de jauge d'endurance. Oh.
Larry? Al, il y a des perles partout sur la véranda. Ils font un remake des oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je te jure que tu sens. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Je devais sortir la voiture du garage verrouillé. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituaient un bonus non négligeable. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Oh, ta mère. Thank you.
lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Fini de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez! J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut une semaine. Il est pas fini? Il me faut une semaine. Deux jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon, suivez. Oui, je vous suis. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Quelques-uns ont réussi à rentrer avant que je bloque la cheminée. C'est alors. Ces gardes sont bizarres.